Étienne Saint-Forien, Kalala Balandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, Bayimboka, Botenabino Banso. Wanduguwa Penzi, Wanainchi Ote, Nawasalimi Yanini Ote. Banabetu, Basubwe, Moyoweno, bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Bandekonabiso Barolingo, Banabetu désormais, nous avons une antenne à Kinshasa en la personne de Arnold Marcelo Bassa. C'est celui-là même que vous êtes en train de regarder en ce moment, chers compatriotes. Voilà. Désormais, une antenne à Kinshasa en la personne de Arnold Marcelo Bassa. Voilà. Écoutez-le pour la première fois. Mais certains l'ont déjà écouté. Ayez confiance en lui. C'est encore un jeune étudiant. Il est en troisième année de droit international à l'Université libre de Kinshasa. Voilà, chers compatriotes. Mbote batata ba mama oyo mwana na bino mwana mboka Arnold Marcelo Bassa RD Congo en direct de Kinshasa na pesi bino mbote pe na bengi bino nyonso désormais bolanda télévision oyo na YouTube pona bozala informé na ba information nyonso ezo touché na politique ba information nyonso ezo touché na économie ya mboka ba information nyonso ezo touché na ba domaine nyonso etali avancement ya mboka. Ceux qui vous a branché la télévision, oyo, beaucoup raté ta information mon côté. Ceux qui vous a branché la télévision du peuple RD Congo, beaucoup raté ta information mon côté. Ezo les cas oyo et tali avancement y a mbo kalabisio. Bonjour mesdemoiselles et messieurs, c'est TV du peuple RD Congo en direct de Kinshasa. Aujourd'hui matin, mon équipe et moi sommes décidés de vous parler de l'affaire des deux jumeaux, tués et brûlés vifs dans la province du Congo central. C'est depuis 30 juin dernier que ces deux jumeaux ont été tués. Mais récemment, nous avons remarqué sur le toit, nous avons remarqué sur les réseaux sociaux, cette affaire fait encore le buzz. C'est pour cela, mon équipe et moi sommes décidés de vous parler de cette affaire-là aujourd'hui. Et nous allons lire un journal, là, le journal des Congo Forum, qui parle sur cette affaire des deux jumeaux qui sont tués et brûlés vifs dans la province du Congo central. Par Arnaud Kabeya, Matadi. Parti pour s'approvisionner en produits agricoles dans la localité de Kisaoumvouéthié, située à environ 70 km au nord de Matadi. Max Nsengue Ntumba et Percé Mwamba Ntumba, surnommés les jumeaux noirs, ont été brûlés vifs dans une brousse du territoire de Sekibanza dans le Congo central. La nouvelle du crime macabre provoque beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux depuis des jours. Selon des sources locales, le crime contre les deux a été commis le 30 juin 2020 par les Banamoura, un mouvement politico-religieux originaire dans la localité de Kisaoumvouéthié. Max Nsenga Ntumba et Percé Mwamba Ntumba auraient été coincés à Matadi à cause de mesures prises pour lutter contre la COVID-19. À peine sortis de l'Institut national des arts, il a en sigle, les deux jeunes avaient entamé une carrière musicale. Ils avaient été invités à Matadi par un producteur pour donner des concerts. Étant bloqués à Matadi, les deux avaient décidé de se lancer dans les commerces de produits vivriers. Dans ces contextes, ils s'étaient rendus à Kinsaoumvouéthié pour acheter la viande de la brousse. Pour se déplacer, les deux avaient fait appel au service d'un conducteur de moto. Ces derniers les auraient livrés aux jeunes délinquants de Banamoura précités. Ils avaient décrit ces clients comme des militants de l'UDPS, car ils auraient vanté le parti du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi.
les jeunes de Banamoura ont molesté les deux jumeaux. La nuit, ils les avaient aspergés d'essence pour le brûler vif. Le motocycliste aurait disparu, il est introuvable jusqu'à présent. Après avoir été informé des tristes faits, la famille du défunt, s'est rendue sur place pour récupérer les dépouilles des deux jeunes tués. Cet incident n'est pas une bonne chose pour le vivre ensemble légendaire des Congolais. Des observateurs de la société et la politique congolaise s'interrogent sur la question comment un tel crime a pu être commis. Les journaux ne cessent de parler. Il y a un journal de Dallas, Texas, IDPS Fédération, qui a parlé aussi de cette affaire. Je le lis pour vous faire comprendre la ténacité de cette affaire, pour faire comprendre qu'est-ce que cette affaire a eu à semer dans le tête des gens, qu'est-ce que cela a eu à susciter dans les esprits des Kasaïens. Je reviens toujours pas. J'accuse, je dénonce, mon âme saigne. Comment on est-il arrivé là? Ces deux frères jumeaux ont été sauvagement tués le 31 juillet 2020 au Congo central. Ils ont été lapidés, bâtis, brûlés vifs. Motif, ils sont Luba. Il y a quelques jours, je suivis Honorable Eliezer dénoncer le meurtre après torture de cette personne au Katanga. Puis les doigts et crever les yeux avant de les tuer, puis jeter l'air de pluie dans la rivière. Motif, ils sont plutôt, ils étaient aussi Luba. Et comme Ninkaka, où allons-nous? Je tiens pour responsable tous les leaders politiques ou d'opinion qui trouvent ok de laisser insulter et vulpender les Baluba en tant que tribu. Vous êtes les assassins de ces personnes et que leur sang soit sur vous. Tout leader congolais doit condamner cet acte. Condamner ou condoler et tu seras complice. Voici le macabre et vraiment évitable enfant de jumeaux. Jumeaux brûlés vivants au Congo central à Kinshasa. Ce sont des musiciens professionnels, les anciens de l'INA, section musique et de bons acteurs. Ils ont quitté Kasaï pour Kinshasa pour raison d'études universitaires. Percé et Mars, le jumeau, partis pour un concert à Kinshasa, Matadi, dans la localité du territoire de Seka Banza au Congo central, élevé, tabassé et brûlé vivant par des inconnus après avoir emprunté des motos pour les concerts aux environs de 20 heures. Ils ont été bâtis à sang et calcinés par ces bandits et ont été retrouvés sans vie depuis le 31 juillet 2020 à 23 heures juste. Je condamne cet acte avec ma dernière énergie. Également, kinpromo.cd a y a posté aussi sur son compte Facebook. Nécrologie. Noir Jumeau et Du Black Max, les jumeaux, sont morts, brûlés vifs au Congo central. La raison de cette bavure n'est pas encore connue. On note ici qu'ils sont morts loin de parents. Donc ils sont morts loin de leurs parents qui se trouvent présentement dans la province de Mbujimayi. Et même vivant à Kinshasa, et seulement sans famille. Ils vivaient à Kinshasa sans famille. Ils ont laissé leur famille en Mbujimayi. Ils étaient venus pour raison d'études à Kinshasa pour poursuivre leurs études universitaires vu qu'ils avaient une carrière musicale. Mais en arrivant à Kinshasa, ils n'avaient pas de famille. C'est pour cela qu'ils s'étaient décidés de faire un petit tour au Congo central pour aller se débrouiller sur le plan musical, pour aller tourner quelques clips ou faire quelques productions de musique là-bas. Ils étaient partis au Congo central pour booster leur carrière musicale en livrant un concert. Vous êtes nés le même jour et vous êtes partis le même jour. Que leur âme repose en paix. Et nous condamnons vraiment cette barbarie. Nous condamnons ce genre de choses à la dernière énergie. Nous sommes tous congolais. Ce n'est pas de notre faute être né Luba. Ou ce n'est pas un crime être né Luba.
et nous voyons la plupart des ressortissants du Kasaï, le Kasaï central, le Kasaï oriental et puis le Kasaï tout court, la grande communauté qui forme les grands Kasaï. Nous voyons les ressortissants du Kasaï être tabassés, les ressortissants du Kasaï être sujets de insultes, être sujets de massacres, être sujets de tortures, rien que parce qu'ils sont Luba. Banamboka, c'est une chose que Toko s'est pelaté ce genre de comportement. Et la question que nous nous posons, Tozomitona, où en sommes-nous avec la justice concernant cette affaire? Est-ce que la justice fait réellement son travail? Est-ce que la justice a eu à croiser ses bras par rapport aux revendications de toute la République démocratique du Congo, de tout un peuple qui revendique la mort de ses deux jumeaux? Et ça l'a passé parce que ces deux jumeaux ont eu à quitter leur province d'origine pour venir poursuivre leurs études à Kinshasa. Ils étaient seuls sans famille, donc ils s'est débrouillés, kaka bango moko, et un producteur les a invités à Congo Central pour aller livrer un concert, pour aller faire une production là-bas. Mais, Bakomikuna, la chose qui nous a vraiment étonné est que ces jeunes, Babomi Bango Kakaboy, Peba Tumbi Bango, pourquoi? Parce qu'ils sont Loba. Pourquoi? Parce que Bazalaki ba sympathisant à UDPS. Parce que pourquoi Bando soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi? Alors la question que nous nous posons, est-ce que la République démocratique du Congo, étant un pays où en son sein nous trouvons plusieurs partis politiques, ils ont m'abêté pour une personne ya Kozala sympathisant ya parti politique Moko. Et la chose que Ezo Salabiso passe les lots, la chose qui nous inquiète aujourd'hui est que être de l'UDPS aujourd'hui dans certaines provinces, Eza Komemangambo. Être membre de l'UDPS dans certaines provinces, Eza exposer sa personne, exposer sa vie, être membre de l'UDPS. Yangonde, tu remarques récemment dans certaines provinces, Tomoniango, Nakatanga, Tomoniango, la province, Moussouso. Pourquoi? Parce qu'ils sont Luba. Et être Luba, c'est un problème. Être Luba, c'est un crime. Être Luba, ils ont un grand bouquin pour le Botama Luba. Donc, le Botama qui est au Pona, qui est au Botama, la colonie, donc le Botama qui est au Pona, qui est au Botama, la province, c'est le dessin qui a eu à choisir que le Botama dans des provinces où il y a un grand bouquin pour le Botama. Mais en gros, la chose où ils ont étonné, c'est que le Luba a commis tellement exposé que la vie n'a pas commis en danger dans toute la République. Et tous ceux qui même ici dans la ville, province de Kinshasa, ceux qui ont à Luba, directement, dans le bureau de Félix, c'est ce qu'il dit, directement, et au coin, il y a un coin où il faut fréquenter. Pour toi, fréquenter ces coins, c'est disposer ta vie. Fréquenter ce genre de coins, aux exposer bon moto, peut-être pas bon maillot, et rien que parce que tu soutiens le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Bisso, étant, tous les Bakassayens, tous les Bakatangais, si la vision du président de la République est une bonne vision, nous on est derrière cette vision-là pour soutenir le président de la République dans toutes ses actions. On est derrière tout ça pour soutenir le président de la République dans ses œuvres. Tout le monde qui a œuvre, on est œuvre, moi qui toque où ezo tourna écolo, ils ont œuvre, moi qui toque où ezo matisamboka, ils ont œuvre, moi qui toque où ezo sunga social amboka. Mais pourquoi pas tout ça là? Pourquoi ma beaucoup derrière le président de la République pour nous soutenir. Alors, ceux qui te soutenir le président de la République, c'est Zamabe. Il y a un autre qui te tel régime à Kala. Tout le monde qui est Mboka Ibane Koukoukoukoukou de Libos. Ok, Mboka Izala qui n'a pas si. Peuple Azala qui n'a pas si. Mais il y a un autre, nous devons comprendre. Le problème avec les Congolais, c'est un problème de mentalité. Faut que les Congolais aient remanié mental. Enfin, que Mboka Kende Libos. Comment est-ce que vous soutenez l'ancien régime, oyo aboma mboka oyo, ancien régime, oyo ekunda mboka oyo, mais il y a certains individus, il y a certaines personnes qui soutiennent ba action passée wana, ou bazo soutenir ba autorité passée wana ki bazo ngapena bokonzi lelo. Et loko zo kam sa biso na ba marche to zomo na ba peuple mususu, bazo kitana nzela pour nous soutenir ba action na bango. Et zaka ka ces mêmes peuples wana pe bazo tiela biso libaya, ces mêmes peuples wana bazo tiela président de la République Félix Antoine Libaya pour nous contrecarrer la musala na yebango wana pe bazo boma bande ko na biso. To lobi lelo to ko komona mutu azali ko zala mongala, o ko ko zala ressortissant ya Congo Central, o ko zala ressortissant ya Grand Bandundu. Mais au Saliba est-il donc peut-être dans la ville province de Kinshasa et tu te décides, il y a peut-être dans une des provinces où ils ont formé Grand Kasaï pour aller travailler.
pour aller mettre en exercice la connaissance que oyo ou recevoir la connaissance aujourd'hui là-bas année nao passé sur le banc des universités. Alors la question que je me pose, est-ce que bako appliquer les bino regard wana, est-ce que peuple kassayen a ko revenger pendant Isaïe Natir, il y a peuple kassayen. Nous avons eu à passer des temps dans les Kassaï, nous avons eu le temps de vivre aussi dans les Kassaï. Nous vous disons que le peuple kassayen est un peuple moko azali cultivé, est un peuple moko azali avec un bon sens de vivre, azali peuple moko azana manière ya malamu ya ko vivre. Cela veut dire quoi? Toute personne est là-bas origine nayo, est la province ozouta. Ce que commune à Kassaï, la personne est la bienvenue et oko sala musala nayo na kimia nyoso. Mais c'est la chose oyo biso tous sont condamnés jusqu'à la dernière énergie que ba peuple kassayen bazalu le bienvenue na ba province mususu et loko sala biso passé yango yango tous sont en justice à sala musala na yaye tous sont en justice à se saisir na musala na dossier oyo justice à sala musala na yepo et peuple aleli pour des ba cri eza partout ba talibana mboka ba leli bana mboka ba leli ba kassayen ba leli ba lobi et commis trop ou eza trop c'est trop eko ba acte aboye e ko mema peuple na révolte ba acte aboye e ko koti sa trouble na kati ya mboka ba acte aboye e ko ke guerre civile entre les peuples. Pourquoi? Parce que ezali ba acte moko tozo condamné za ba acte moko ya bien te bana libanda mboka ba leli ba kasien ba leli pona acte oyo totali la famille une pauvre famille na mbujimai baza wana les parents pauvres ba disposer ki na ba petit moyen na bangwana pour envoyer leur enfant na Kinshasa les deux jumeaux pour pouvoir étudier que avec leur carrière musicale bako ko sungapé le bosa. Alors aujourd'hui c'est la famille qui entre dans la misère, c'est la famille où ekoti sous na pauvreté ya makasi lelo. Pourquoi? Espoir na bango ezala ki na bana na bango mibale wana na carrière musicale na bango bako ko sunga le bosa siko lelo peuple bako lo banini famille ekoti na pasi famille ekoti milelo talana no bana age na bango wana beaucoup la bana tiko comme ça bango age na bango wana bazale ki espoir non pour leur famille bazaki un espoir aussi pour le Congo, un espoir pour le Congo na matière etali musique, un espoir pour le Congo na makambo etali musique pe li banda pour bazaki na carrière moko makasi. Je vous assure que bazale ki des bons chanteurs et des bons musiciens. Alors c'est une chose que nous condamnons vraiment. C'est pour cela peuple congolais, nous dénonçons la haine, le tribalisme, les anti-valeurs, tout ce qui ne contribue pas à l'émergence du pays. Nous dénonçons ça et nous soutenons grandement l'œuvre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a instauré un état de droit. Un état de droit, c'est sur tous les domaines de la vie. L'état de droit, c'est sur tous les comportements de la vie. C'est pour cela, unissons-nous, tenons-nous la main, nous sommes un frère. Raison pour laquelle je vais inviter un fils du grand Bandundu, un fils du Congo central, Aya, à l'Obelabiso, parce que hier nous étions avec lui, il a condamné jusqu'à sa dernière énergie ce genre de barbarie, ce genre d'actes, il a condamné ça. C'est pour cela, tout au Bengaye, Aya ko l'Obelabiso, moi, il l'obama encore, et ça, il y a l'Obelabiso, na langue nationale, à l'Obelabiso, na Kikongo, et l'Oko, et ça, il y a poète, et rassuré pe bobaza na libanda mboka ke malgré acte o esalami justice e ko sala musala na yango pe bango moko bana ya Bandundu bango moko bana ya Congo central ba condamné pe acte o yo pe ba lobi justice esalema likolo ya groupe de personnes o babengi bana mura ce groupe des civiques o babengi bana mura ke justice e kanga bango pe justice esala musala na yango yango to bengi mwana mboka Freedance aya alobela biso na monoko ya mboka le biso na langue nationale na monoko voilà pe ba oyo bazali mopanzi ya Kasai ba oyo bazali mopanzi ba province mususu bazala rassurer que bango pe ba natif ya grand bande de banatif à Congo central ba sepeli na acte wana te ke zali bango te mutu basali acte wana mezali groupe moko ya ba individu o ba kokangama mbote na beno ba tata ba mama bi ba bola kele mpangi na beno Freedance banga me butuka na bandu ndume mke na kati ya Kinshasa samu na ku continue makambu ba mpangi na betu ba kongo ke sala yo ke se peli sa betu fe vraiment ka nge ke mukongo munu mke luba nge le ukatuka awa nge kwenda mpi na ndu nge kitanga betidi na nge le ukatuka awa ikwene na mjima ingi kontine betid na ingi. Makambu bampangi na betu kesala, munu mukele mkongo, mukele mutabandu ndu muke tubaka kikongo. Me,
makambo bampangi na betu kesa la vraiment betu me sepela na yo veille yina betu me me kakutuba makambo bo kesa betu sepela betu lo mana justice atala makambo yai betu ke les ila mosi na bampangi na me fuila donc pasi na bo ke le mpasi na beto sambu na kusala Congo et le Colomosi. Betu, betu kele tete ba jeune, betu kele na avenir. Makambu bampangi na betu mesala, betu mesepela na ve. Bubu be mona président na betu akele mwana bwala. Mais makambu ina amesepela na yo mpive. Oina bampangi na mono benin sokela na munu. Betu simana diboko na diboko sambu na kukwenda na ntwala. Oina beme mona betu me bula musonso sana kusonga beno makambu beke sala betu me sepela na yo fe. Bubu betu ke mona panzo nkanda kele ya mpamba. Yo kele ve sambu na baluba, yo kele ve sambu na bakongo, yo kele sambu na betu nyonso bana ya Kongo. Ya kutuba kele mingi ve mepesa matondo na mpangi na munu melutisa munu na nshieni ya isambu na kupesa bansangu ya bwala bifulu ya nkaka ba opportunite ya ibetazwa yove me mpangi ya imelutisa munu sambu na kupesa bansangu ya bwala na beto merci mingi na president ya nshieni ya wana buhuti kulanda mwana mboka Mr. Fredens tous ces pays là maloba voyez tous ces pays là intervention là a condamné jusqu'à la dernière énergie makambo ezo le kanamboka et a le bien tant que moi na bando un jour pas connu aussi de sa baïti na zo so awa mais a connu ko kinde ko sala musala na ye na mushima ito sala musala na ye la kala ngato sala musala na chikapa so ki ba acte a bouye ba kasa yin fe ba sali ngo na nzoto na ye to ba sali ngo na ba ba ressortissant bandundu ekositeur ba Congo ekozala eloko moko ya mabe yango a condamné yango pe a le but de justice ko sala musala na ngo bango ba zali ba jeune a venir ya mboka oyo ezali biso ba jeune pe zali bango ba jeune nde yango le but a condamné pe ba tunyoso oyo ba sali acte oyo ba tunyoso oyo ba pousser ki ke ba acte oyo sali ba kozala pe condamné bango tu ba kokanga tokomi na esuka ya emission na biso ya mokolo lelo pesi matondo na nzambe tata oyo azobatela biso to pesi mbote na biso na président ya République démocratique du Congo peut-être le dit que Dieu bénisse la République démocratique du Congo que sa grâce soit toujours sur le Congo enfin que les bonnes personnes qui font de bonnes œuvres et qui ont de bonnes visions pour la République démocratique du Congo que la grâce de l'Éternel soit toujours sur et quels que soient les combats quels que soient les difficultés quels que soient tout problème au bakokuta na bongo sur leur chemin que la grâce de l'Éternel et que la manifestation divine soit toujours sur et yango na bengi bino susu mingi bosa abonné susu na chaîne oyo ezali TV du peuple RD Congo bosa abonné ceux qui bosa abonné bo hésiter te bo kende bo activer cloche wana ke à toutes les vidéos auto ko poster bo rater na tan na mon côté vous allez informer na ba information yo so o ezali ya politique ya mboka to pesibino matondo pe to lobi to kutani au prochain numéro avant to kabwana na ko pesa mbote na ngai na staff na ngai muto akompana kanga kolonyo so kuna to memela bino ba information na ba ikuke na ba intano ikye na bino to memela bino ba information na banda kuna bino muto abenga mi na kombo ya Joseph Mtumba balanda yo azali cameraman na ngai na pesi mbote isika yo azali nzambe apambola bino pe nzambe abatela biso tukutana elongo au prochain numéro bye.